Allez, ça tout le monde, c'est Taz de Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 31 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Skyward Sword HD. J'espère que vous allez bien. Écoutez, oui, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 31. Écoutez-moi, pour ma part, je vais très bien. Petite précision, au cas où, ça sera cette semaine un planning à thème Zelda 3D. Donc cela veut dire qu'il y aura du coup, vu que ce let's play est concerné, 8 épisodes. Voilà, 8 épisodes, oui, vous avez bien entendu, de ce let's play cette semaine, donc une vidéo par jour, excepté dimanche, vous allez en avoir du coup 2, hein, avec la vidéo bonus. Donc du coup, bah voilà, au moins vous êtes au courant, il y aura du coup 8 épisodes, et il me semble parfait, en plus ça tombe à pic, parce qu'on s'était, souvenez-vous, arrêté après s'être rendu, enfin après avoir fait apparaître le temple, notre troisième temple, si je dis pas de conneries. Donc aujourd'hui, bah, on va tenter de commencer ce temple là justement. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu. Ben ça remonte de 26 ou quoi, le 26 juin, ok, effectivement ça fait un petit moment, parce que oui, hein, je vous rappelle que du coup ouais, c'est vrai que ça fait petit, wow, ça fait un moment. Enfin moi, ma date d'enregistrement c'est le 26/06/2022. Je vous rappelle que chez moi je vous enregistre cette vidéo, c'est le 25 janvier 2023. Ouais, j'ai les dates, faut que j'arrive à mettre les dates, tu restes là-dessus. Donc du coup, ouais, effectivement, ça fait plus de 6 mois. Et donc du coup, bah, c'est parti, on va devoir tout simplement chercher l'entrée de la raffinerie Lanel qu'on a déjà trouvé. En fait, qu'on a déjà trouvé. Du coup, bah, c'est en fait. On y va. Ah non, s'il te plaît. Oula. Attendez, je galère. Comment on fait pour contrôler la caméra dans ce jeu? Ok, ça c'est pour contrôler les différents trucs. Ok. Ensuite, ça c'est pour contrôler. Ok, c'est pour les boucliers. Donc là, il faut choisir un bouclier en bois ici. Ok. Donc, on peut pas tourner le truc comme on le voudrait. Ok. Alors je sais plus ce que je vous avais dit dans l'épisode précédent, est-ce qu'on explore ça avant d'entrer dans le truc? Je pense pas. Hein. Ok. Ok. Non, je veux juste vérifier. Voilà. En fait, si j'avais mis les balises, je crois que c'est pas pour rien. Voilà, c'est comme ça qu'on peut modifier le truc. Eh hey, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, du coup, ouais. Effectivement. Pourquoi j'ai mis des trucs là-bas? Pourtant, on a déjà été là-bas, non? Ok, ma foi, bon, bref, on va... Il me semble qu'on est... Ouais, on va rentrer dans ce temple. Oh, attendez, avant d'entrer dans ce temple. Merci. Ok. Ah, super, j'avais pas vu la bombe. Bon, moi, ouais, j'essaie de me remanier un petit peu, enfin, de me réhabituer un petit peu aux touches, parce que ça fait longtemps. Bah du coup, ce donjon sera un parfait entraînement. Du coup, bah c'est parti les amis. Donc oui, hein, 8 épisodes, hein, rendez-vous compte. Et du coup, bah, on va pouvoir commencer aujourd'hui notre troisième donjon, écoutez, de ce jeu. Allez, on y va d'un pas décidé. Link. Raffinerie de l'Anel. Oh my god. Effectivement. Dis-moi que j'ai des bombes. Dis-moi que j'ai rechargé mes bombes. Oh, j'ai plus beaucoup. Bon. Un rubis. Ok, donc là-bas il y a un truc qu'on ne peut pas aller malheureusement.
Ouais, il faut regarder un petit peu de partout, hein. D'abord, on va sauvegarder, vous savez quoi? On va conserver. Ça, tu débouilles ici. Donnez sauvegarder. Oh, des noix, merci. Alors. Ok. Non. On va y arriver. Voilà. Tac. Et pour faire rouler, c'est comme ça. Ok, c'est bon. Bah, il faut vraiment que je sache parce que ça fait tellement longtemps que... Alors, s'il y a des bombes là, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire des trucs sympathiques avec notre... On va faire des trucs sympathiques, justement. Hop. Donc là, on va pouvoir prendre notre bombe vue aérienne et la larguer. Voilà, on va faire la même chose. Merci. Bon, on débloque des petits trucs, hein, écoutez. Alors, je sais pas combien de temps on va mettre pour ce donjon, à mon avis, peut-être au moins 2 ou 3 vidéos. Je le connais plus trop, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas fait sur la version Wii, hein, je vous rappelle. Enfin, je le connais, ça me parle un petit peu, mais ça me parle pas non plus autant que TP, en fait. J'avais déjà récupéré le truc là-bas. Ça me parle pas autant que TP, donc, ouais, effectivement, ça fait un petit moment. Oula. Ouh, c'était chaud, ça, Zurich. Ah, c'était chaud. Ok, on a baissé le... ce truc. On va aller de l'autre côté. Vite. Ok. A mon avis, celui-là, il va ouvrir cette porte-là. Je vois que ça, en fait, honnêtement. Je vois que ça. Non. On était proche. On était à 2 cm. Genre vraiment, si on aurait voulu, on aurait réussi. Bon, la prochaine fois, on attendra que ça charge. Par contre, ça fait tellement penser du coup à Breath of the Wild. En fait, c'est du Breath of the Wild le prototype, en fait. Oh, what the you doing? Dégagez. Merci. C'est Breath of the Wild prototype, en fait. Eh ouais, je m'en doutais que ça allait ouvrir ça. C'était 100% sûr en même temps. Alors, je connais plus le... comment ça s'appelle? L'item de ce donjon, honnêtement, je ne le connais plus. Attends que ça charge. Merci. Alors, du coup. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 20 rubis, ok. Vous obtenez un rubis rouge, sa valeur de 20 rubis. N'allez pas tout dépenser d'un coup, petit vénard. Petit vénard. Alors, du coup, ça fait plaisir. J'ai juste une question. Il y a quoi là-haut? Ah, y'a rien. Ils auraient dû mettre un petit truc quand même. Pour que le pour récompenser le joueur d'aller au moins d'être un petit peu curieux. Genre un petit 20 rubis, vous voyez, ça aurait pas cassé. Ça aurait pas cassé 3 pattes à un canard, mais. Ok, oh mon dieu. Ok. Alors ça. Pas de conneries, il faut buter les 3 en même temps. On suit un petit peu. Oh, mais voilà. Genre, ils en donnent, et ben allez. Oh, je vous jure, même, ils récompensent même pas les joueurs comme il faut. Ok, alors ça a l'air d'être très bizarre comme zone. Dégage, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Bah là il faut vraiment se faire des rubis en plus donc on va pas pousser ça. On va pas pousser ça on dirait pour le moment. Soit. Ouais. Alors, un genre de jeu d'énigmes. Il faut pousser des cubes. Waouh, c'est très compliqué. Waouh. Waouh. C'est tellement compliqué. Mon dieu. Bon, vraiment, c'est la pire énigme du monde. Oh, mini-boss. Mais non, ça serait trop court. Ah, j'allais dire,
Si on a mis vraiment un mini-boss maintenant, ça serait trop bizarre, ça serait trop court. Enfin, je veux dire, ouais, sauvegarde à tous les statuts de Tibou. Comme ça, on les active tous. Ok, alors là, on peut pas aller pour le moment. À mon avis, on débloquera un raccourci un petit peu plus tard. Ça, c'est là. Ah, à mon avis, c'est, y a ça, c'est pas pour rien. S'il y a ça, c'est pas pour rien. S'il y a ça, ce n'est pas pour rien. Je viens de comprendre pourquoi il y a ça. Super, Azuric. T'es sérieux, non? Mais oui, mais c'est en même temps que j'attaque. Il affiche ce truc à la con, là. Oh, fuck you. S'il te plaît, merci. Merci. Ok, bon, maintenant. Maintenant. Par contre, la musique de ce donjon, elle est géniale, hein, je vous le dis. Oh là là, attention à ne pas tomber. Vas-y. Hein. Venez, les chauves-souris. Oh, on obtient même la griffe et tout. Ok, coffre. Ah, la carte du donjon, peut-être. Voilà. Dans la petite clé, vous avez obtenu une petite clé à vous permettre d'ouvrir une porte verrouillée des alentours. Vous ne pouvez l'utiliser que dans cette zone. Oui, vraiment, c'est un truc que je pense que je vais dire souvent. Ok, en fait, on a obtenu... Ah, on peut pas y aller, du coup. Du coup, ça veut dire qu'il faut revenir en arrière, j'imagine. Bah, ça peut être que ça. Hein. On va revenir en arrière. Bon. Pour le moment, le donjon, il se passe bien. Pour le moment, ce donjon, il se passe très bien. On se refait un petit peu en jeu. Ça va, finalement, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. J'ai quelques petites difficultés sur certaines touches, mais sinon ça va, quoi. Oh, merci, la sauvegarde auto en bas à droite. Alors, du coup, je viens de voir une sauvegarde auto directement. Ok, donc c'est à gauche. Oh là là, oh là là, ce merdier. Oh là 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 là. Okay, oui, il faut que j'aille où là? Il faut que j'aille où là? What are you doing? What? Non, mais ils sont des fous. Ah bah oui! Ça explose! Comment. Attendez, on va faire un truc. Alors, bon, il faut aller où précisément? Vas-y, tomber. C'est vraiment répugnant comme, comme ennemi. J'ai juré, c'est vraiment répugnant. Ok, en droite, on pourra pas y aller de toute manière. Par contre, il y a ça. Ah, il y a ça. Ça, ce n'est pas pour rien. Ah, c'est peut-être pour éliminer les trucs à la con, non? Je sais pas. Ah non, je vois ce qu'il faut faire. Je vois ce qu'il faut faire. Il faut redonner au futur cette zone du futur. On prend la bombe. Après, je crois qu'on peut l'activer sans la bombe, mais. Ah non, vu que c'est fermé. Ah si, quand même, on va pouvoir l'activer comme ça, quand même. Ok, on peut... ça veut... la réponse est non. On ne peut pas l'activer comme ça. Par contre, à mon avis, on peut péter la caisse qui est là. Je pense. Donc, on va pouvoir péter la caisse. À mon avis, c'est pour ça en fait. Et nous, en plus, c'est bien, c'est ouf quand même, ils nous le mettent à la hauteur qui nous permet de le voir, voilà, pour péter ça justement. Voilà, comme ça on va pouvoir activer l'interrupteur qui est au cas où le même interrupteur à quelque chose près que celle de Toilette Princess. J'ai juré, c'est les mêmes mécanismes dans la mine Goron. Honnêtement, je pense qu'ils ont repris la set, ils ont juste modifié les couleurs pour éviter que ça soit répétitif. Ah, je viens de comprendre. Malin le lynx. Là, il faut mettre que le futur en fait ici. De toute façon, avec le passant, on pourra rien faire ici. Hein. J'ai juré, on pourra rien faire. Donc là, on met le futur. Bah non, finalement, on fait le passé. Qu'est-ce que je dis? C'est le passé finalement. C'est pas vraiment le vrai futur.
Ok. Alors ça, je m'en souviens. Sur Wii, c'était galère, ces ennemis, j'ai juré. Alors que maintenant, tu peux faire un coup d'estoc avec ça, c'est magistral. Oh my fucking god, ça continue en bas. Ok, en bas, ça permet de débloquer ce petit raccourci. Ah oui, bien tenté, Azuric. Ah, il fait mal, abruti. Putain, il m'a défoncé. C'est tellement pratique dans cette version. Oh putain, vous verrez sur Wii. Quand on refera un petit peu le let's play sur Wii, je sais pas quand, mais vous allez voir, on galère comme un chien. Ah d'accord. Oh, le but n'est pas non plus de se faire mal. Le but n'est pas non plus de se faire mal. Donc on va descendre là. D'où le fait qu'ils ont passé à l'échelle. Ils sont très ingénieux. Très très intelligents. Ok. Ok, là-bas. On va prendre notre temps, hein. On va pas se précipiter, ça sert à rien. On mettra le temps qu'il faudra pour ce donjon, mais on va pas se précipiter. Ok, donc il faut aller là. Ok. On va activer un truc là-bas. A mon avis, c'est peut-être pour ralentir un petit peu le tapis. Je vous avoue que le tapis va un peu trop rapidement derrière. Ah non, c'est juste pour débloquer le coffre en fait. D'accord. Oh, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Vite, vite. Vite, run away. C'est bon. Il est bien ce donjon. J'aime beaucoup l'architecture et le principe de ce donjon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 20 rubis, j'imagine. Voilà, voilà. Vous avez obtenu un rubis rouge. Ça valait de 20 rubis. N'allez pas tout dépenser d'un coup, petit vénard. Petit vénard. J'adore comme il nous dit ça. Ça me termine. Ok. On continue. Ah, c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Donc on est obligé d'aller là encore. Vite. Oh, il y a deux étages. Voilà. Attention, sur Switch c'est tellement pété ce truc. Je vous avoue que sur Wii c'est vraiment les pires ennemis, hein. Tellement que c'est galère, hein. Oh god. Pas les femmes. Enfin, éliminer les étages. C'est viser l'œil en fait. Viser l'œil, c'est la merde sur Wii, je vous jure. Oulolo. Oulolo, cette zone. Oh my god. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Alors, deux choses. L'une. Deux choses l'une. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Merci. Évidemment. Oh, il y avait un coffre en plus au centre de tout ce merdier. En fait, c'est un labyrinthe en fait. Il y a un coffre au milieu de tout ce merdier, mais je sais pas comment. Ah, ok, comme ça, peut-être. Mais non. Là, on est bloqué. Mais attendez, je comprends pas. Ah, peut-être qu'il faut passer par le dessus. Je vois que ça, hein. Ok, vraiment il faut faire ça quoi. Ready?
Sérieux? Il a pas voulu. Voilà. En fait, faut frayer un chemin dans ce merdier, en fait. Alors déjà que c'est compliqué, mais là... Non, fais pas ça. Déjà c'est compliqué, alors là... Ah, c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok, en fait, en plus, il respawn, évidemment. Sinon, ce n'est pas du jeu. Ok, après, il faudra prendre l'autre chemin, je vous le dis. Déjà, on va aller ce côté-là. Oh là là. Oh là 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 là. Mais c'est des malades, hein. C'est des malades. Mais grimpe! Allô? Thank you. Ah, mais c'est plus l'heure de s'arrêter. Bah, vous savez quoi? On va récupérer ce coffre-là et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ouais. Oh non, même pas. Vous savez quoi? On va même pas récupérer ce coffre-là. On va se laisser le suspense pour l'épisode prochain. Écoutez, on se retrouve, les amis, demain, les amis, même heure pour l'épisode 32. J'espère, écoutez, cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on continue, du coup, ce donjon. On aura fait, du coup, une première partie. Alors, je sais pas combien de temps. À mon avis, on mettra peut-être 3 vidéos, je pense, pour le faire, honnêtement. Je sais pas s'il est grand ou pas, honnêtement. On n'a pas la carte du donjon. Bah, en fait, on a qu'un étage. Donc, en fait... J'ai l'impression que ça a l'air d'être petit finalement, et ça c'est peut-être une clé du boss. Donc peut-être ce donjon du coup a l'air un petit peu plus petit, donc je pense qu'on mettra à mon avis peut-être 3 épisodes honnêtement. Je pense qu'il faudra quand même au moins un épisode entier pour là-dedans. Et du coup bah d'ici là les amis, portez-vous bien, on se retrouve du coup demain même heure pour l'épisode 32. Ciao tout le monde, hey, peace.